Hey, salut tout le monde, c'est Thomas pour vous servir et aujourd'hui on se retrouve pour la suite de Resident Evil 2 avec Claire. Alors j'en ai profité pour faire une petite balade et du coup ce que j'ai ramassé c'était une petite amélioration pour ma mitrailleuse. Allez, on va aller chercher les deux pièces manquantes, on va le sauver chérie et puis on va aller se faire défoncer par le virus G. Alors oui j'avais ça. Petit rappel, si ça se passe où? Pim pam pam. J'ai oublié. Bon, ça va sûrement me revenir. Ah oui, c'est par là. Bon, c'est ce qui va nous tomber dessus. Très bien. Putain mais quel con! Je pensais qu'il était mort cet abruti. Voilà, comme ça il va pas m'emmerder. Par contre là j'ai un problème.
Derrière, j'ai jamais compris ce passage-là. Pourquoi ils me font ça? Voilà, ferme ta gueule. Alors, si je me rappelle bien. Ok, chérie. Me voilà. Par contre, on va sauvegarder, hein, parce que j'ai pas envie de tout me retaper. Et là, il y a l'autre qui va m'apparaître. Voilà. D'accord. Ah.
bouffe. Bouger. Non mais oh, qu'est-ce que c'est que ça? Je suis désolée, chérie. Du coup, toi, je vais te rééquiper. Ah ouais, mais le truc, il me faudrait des trucs incendiaires en fait. Je rêve. Chérie, t'en fais pas. Je vais trouver ce dont tu as besoin. Pourquoi tu fais tout ça? Je tiens à toi. Merci, Claire. Annette a dit que son labo n'était pas loin. Attends. Le funiculaire. Tiens bon, chérie. Tout va s'arranger. On y est presque, chérie. On y est presque. Super, le funiculaire. J'espère que j'ai rien oublié. On pourra pas revenir. Non, mais c'est bon, hein.
cette navette va au Nest. Veuillez ne pas sortir avant la destination finale. Tu t'en sortais très bien avant que je débarque et que je t'attire tout un tas d'ennuis. J'ai quelque chose à toi. J'en veux pas. Vraiment? Pourquoi? Il est joli. Oui, on me l'a donné. Mon anniversaire l'an dernier. Moi, je voulais juste qu'elle soit plus souvent à la maison. Je sais qu'on pourrait croire que ta mère s'en fiche, mais... Hey, chérie, viens. Hé, hey, tiens bon, d'accord? Vous êtes arrivés au lit. Je suis là. Allez. Elle va falloir que je la laisse à un endroit. Tiens bon, chérie. Ça va aller. Que je pourrais la poser. Bah tiens ici. Tu me donnes ton bracelet, maman. Ne bouge pas d'ici, d'accord? Je reviens vite. C'est promis. Notre
menu basé sur nos recherches biologiques répond à tous vos besoins nutritionnels. Je vais m'en sortir. Goûtez notre sélection d'aliments beaucoup de la santé. Apprenez à crever, nom de Dieu. Docteur Lee, le chef Cartwright vous demande de toute urgence dans la zone Est. Ah oui, la cam. Ah, j'espère que je vais pas recroiser l'autre là. Normalement, c'est non. L'accès à l'ordinateur est réservé au cadre supérieur. Pulvérisation de solution en cours. Alors, si je me souviens bien. Ah yes, je suis trop fort. Voilà, ça c'est fait.
Mode manuel activé. Ajustez les volumes de solution en fonction de la cartouche. Non, attendez, j'ai fait une connerie. Voilà, ça c'est fait. Maintenant, ce que je dois aller faire, c'est que je dois aller la faire refroidir maintenant. Alors, si ma mère ne me joue pas des tours, hein, il doit y avoir des aides et de liqueurs. Voilà, appelez-moi le pro. Alors le trophée, non, c'était pour avoir le code. Ok, donc l'acide, c'est mortel pour les liqueurs. Ah la pute!
C'est bon, je me suis acharné, j'ai de la place maintenant. On va aller chercher tout de suite la sacoche pour avoir enfin plus de place. Comment t'as fait pour venir toi? Alors là, c'est le muf. Toi, je viens de te chercher après, juste pour voir la réaction de Claire. Si je me rappelle bien, ça doit être Murph à côté. Voilà, comme ça c'est fait. Alors attendez deux secondes que je vais aller faire un truc. Mais il a pute.
Ah, c'est ça, c'était bien Murph. Il y en aura un deuxième à faire, c'est OSS. Oups. Voilà. Non mais ça va bien là, au bout d'un moment. Docteur Lee, vous avez 5 nouveaux messages. Si j'avais su, j'aurais pris ma parka. Terminé. Pulvérisation de solutions en cours. Ça, c'est ce que j'appelle désherber. Alerte. Vous avez répandu une solution dangereuse sans autorisation. Vos actions ont été... Oh la vache! Et vous pourrez faire l'objet de mesures disciplinaires. Ouh.
Ah, c'est bon, il est pas venu. Ah. Tant mieux, je préfère ça. Il sera peut-être temps que je m'en serve de ce fusil électrique. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, mais d'abord je veux voir ta réaction. Ah merde, c'était pas la cassette. Ah, là c'est la cassette. Moi, je suis content, je me suis pas tapé Mister X. La cassette, c'est où? Putain de merde! Bon bah tant pis, j'aurais pas dû la... Ah je peux... Ah génial! Non mais ça déconne la cassette. Faut que je m'en débarrasse d'abord. Ah bah je suis con. Ouais, c'est la même. Ah d'accord, aucune réaction de celle-là. Faire des munitions de mitrailleuse. Il y en a que deux dans mon magnum. Thank you.
Merde. C'est quoi ça? D'accord. Ok. Bingo. Je l'ai. Enfin. L'agent antiviral. Faut que je retourne voir chérie. Pas un combat. Salut. Encore toi. William. Finissons-en. Là, on a une. J'ai créé ce virus. William. J'aurais dû le tuer quand j'en avais l'occasion. Ouais, tu aurais dû, oui. C'était votre mari. À vrai dire, on était surtout mariés à notre travail. Et chérie, dans tout ça, comment avez-vous pu la laisser seule alors que Raccoon City était à feu et à sang? Je ne pouvais pas laisser ma fille grandir dans un monde où le virus G existe. Ouais, donc lui, oui. La laisser. Ah super, j'ai arraché ça, il vient de me le faire lui, vu qu'elle va se le faire elle-même. Bon, c'est l'acide qui est efficace sur lui maintenant. Non. Laissez-le moi. Ah bah non. Occupez-vous plutôt de chérie. De toute façon, il va revenir, ce connard. Mais aïe! Voilà, tu crèves maintenant. Putain, mais ça fait rien du tout en dégâts ce machin. La cible est neutralisée. Fin de la quarantaine.
Ah mais ta gueule, d'abord je check partout. Des grenades flash. Ça, on va, ça c'est suffisant là. Ça en va un bol quand même, faut pas exagérer. J'espère surtout que Annette a réussi à la rejoindre parce qu'elle est blessée pour rappel.